coucou les garçons. Il me manque un garçon. Coquin. Coucou. Comment ça va aujourd'hui? Très bien. Et Robin. Et Bobby. Et ça, merci. Oui, on espère que tout le monde va bien. On est où aujourd'hui? On est à Dino Park. Absolument. On est au parc Dino Park. Enfin, là, précisément, on est à Dinoland. Mais c'est à peu près la même chose. On est sur l'île des loisirs au Cap d'Agde, dans le sud de la France. On avait déjà réalisé des vidéos ici, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a 2 ans, Dino Park, Dino Land et le mini-golf à côté, ainsi que l'Aquadino. On est vraiment dans le monde des dinosaures. Et d'ailleurs, il y en a même un sur le t-shirt de Swan. Là, on est dans la partie Dino Land. Qu'est-ce qu'on va faire? Un cache-cache. Alors, vous savez que c'est immense, hein? Ouais, c'est clair. C'est très, très grand. Je pense qu'on va avoir recours à Instagram aujourd'hui. Donc, le principe, vous le connaissez, les copains et les copines. Les garçons se cachent, celui qui est caché envoie une petite story. Dès que le frère reçoit la story, c'est parti, il doit le retrouver et on met en route le chrono. Allez, go. Alors qui commence? Tifoumi. C'est toi qui compte en premier? Oui. Ok, ça marche. Alors Néo, c'est parti. Ouais, je me cache. Tu pars te cacher et on attend ta story. En attendant que Néo soit caché, Swan s'occupe. Oh non, pauvre dinosaure! Je pense qu'il y en a un qui va bien dormir ce soir là. Pas de problème. Hein. Ça y est, Swan, regarde. Ah, je sais où caché. C'est en bas de boule. C'est bon, tu sais où c'est, hein? Oui, je sais. Ok, bah d'accord. C'est toi qui me sers de guide alors. T'es sûr de toi? Tu sais où tu vas, hein? C'est par là? Et voilà! Trouvé en 20 secondes! La recherche la plus rapide de l'histoire! 20 secondes! Bravo Néo! En même temps, t'avais pas choisi l'endroit le plus caché. Voilà. Je pense que c'est bien quand même. Hein. Ah oui, t'aurais pu te mettre là, mais on t'aurait vu quand même. Ouais, parce que moi, on pense que vous passiez par là. Donc vous voyez ici. Ah, pas de chance, on est arrivé juste là et on t'a vu très facilement. C'est à Swan d'aller se cacher. En attendant que Swan nous envoie la story, c'est trempeau pour Néo. C'est bon? Ouais. Oui, ça y est. Ah. Je suis cachée. Tu vois où c'est ça? Non. Il y a une espèce de queue de dragon vert. Ah si, le monstre du Loch Ness. C'est bon? Ouais, c'est bon. Allez, je te suis. Alors, est-ce qu'il est par là? Non? Pas là-haut non plus. Là-dedans, tu crois? Tu crois qu'il est rentré là-dedans? Alors, est-ce qu'il est là? Il est là, c'est vrai? Oui. Comment? Mais comment t'as fait pour le trouver? Comment t'as su que c'était là? Et ensuite, j'ai caché. Dis donc, t'étais pas caché bien loin? Bah oui. Ben oui, hein. Alors là, Néo, quand même, tu as mis un petit peu plus d'une minute pour le trouver. Donc pour l'instant, c'est Swan qui gagne. Il a mis seulement 20 secondes tout à l'heure. Allez! Néo, c'est parti? Allez, c'est parti. Alors, cette fois-ci, il faudrait que ton frère mette un peu plus de 20 secondes à te trouver quand même. Pas pour toi, hein. Allez! A tout à l'heure. Allez, go. Et toi, tu fais quoi en attendant? Petite sauterelle. T'as l'embarras du choix, là. Hein. Tu veux aller où? Là, il y a même des tyroliennes ici. Là, c'est où on était tout à l'heure. Jeu de dames, jeu d'échecs géants. Karting. En attendant la story de Néo, Swan repart dans un nouveau gonflable. Circus time. Et là, il y a encore de quoi s'amuser. Et voilà. Coucou! Allez, encore un tour, petit cœur! Wouhou! Allez, cache-cache ici, c'est super! Hein, parce que même en attendant la cachette, on a de quoi s'éclater! Swan, viens voir! Regarde, hop! Ouh, là par contre, je trouve pas du tout! Attends, c'est pas le mini-golf ça? Si, c'est le mini-golf! Ah, c'est le mini-golf! Si, si, c'est ça, c'est le mini-golf! C'est bon, t'es prêt? Allez! À la recherche de Néo! Donc le mini-golf, il est ici, il jouxte Dinoland. Donc là, on va ressortir de Dinoland pour aller dans le mini-golf.
Et hop. Donc normalement, c'est par là. Donc là, on est dans la partie restauration. Entrée circuit 1, on essaye là? Allez. Alors, c'est par là. Alors normalement, tant qu'on ne joue pas au mini-golf, on ne peut pas rentrer sur le circuit. Là, on a obtenu l'autorisation du propriétaire du parc. Bon, c'est très très gentil à lui. Et c'est pour ça qu'on peut se permettre de venir sans les clubs. Alors, où est-ce qu'il est ce Néo? Est-ce que tu l'aperçois quelque part? Il n'est pas là. Là, il y a juste un grand dinosaure. On n'a toujours pas trouvé Néo. Impressionnant, hein? Swan, fais attention, il y a des tricératops, regarde. C'est bien comme ils sont beaux. Waouh. Ils sont super impressionnants, hein. Mais où est-ce qu'il a bien pu se cacher? Je trouve toujours pas, hein. Où est-ce qu'il a bien pu se mettre? À mon avis, on y est presque. Si ça se trouve, il est passé, lui, par la sortie, ce coquin. Parce que la sortie, elle est juste à l'entrée du Dinoland. Alors là, on a bientôt fini le circuit. Et on ne le voit toujours pas. C'est pas possible, on a dû le rater, là. Bon, on le trouve pas. Donc, on est en train de regarder à nouveau sa story. Attends, regarde ce bâtiment, là, Swan. Ça, c'est quand même très visuel. On doit forcément le trouver. On va regarder un peu mieux autour de nous, hein. C'est ça, regarde au fond, Swan. Ah oui. C'est ça, et puis il y a un espèce de portail vert là. C'est ce qu'on voit là. Donc, il est par là. En plus, regarde, les dinosaures sont activés alors qu'il n'y a personne dans la zone. Et ils s'activent quand on marche à côté. Ça veut dire qu'il n'est pas loin du tout. C'est peut-être même lui qui les a activés, tu vois. C'est bien possible. Hein. Alors, ouvre bien tes petits yeux. Tu vois, c'est ça qu'il a pris là. Il a pris ça, comme ça là. Donc il est par là. Il est par là, il est par là. On a vu la maman et son bébé, mais on est passé de l'autre côté. Donc on n'est pas passé là. Attends, où est-ce qu'il est? Il doit pas être loin en plus, hein. Swan, ouvre bien les yeux. Je pense qu'il est pas loin du tout. Tu vois pas? Là-bas, 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 là-bas. Ça a bougé là-bas, viens. Je l'ai vu là. Là, va voir là-bas. Alors? Tu l'as trouvé? Non, là! Là! Assis. Adi, t'étais super bien caché. Ah oui. Alors là, t'avais mis le timing? Oui, oui, je l'ai mis. Combien de temps il a mis? Oh, 18 minutes. Oh là là! Alors bien sûr les copains et les copines, on ne vous a pas mis 18 minutes de vidéo, hein. On a quand même eu pitié de vous et on a fait pas mal de coupes. Swan il est super dégoûté, tu sais. 18 minutes, comment je vais faire pour battre ça? Il va falloir que tu trouves une super cachette là. C'est sûr là Swan. T'es prêt? Prêt. Allez c'est parti, Swan va se cacher et avec Néo on patiente ici dans le mini golf. On attend la story. Bon Néo t'as assuré là pour la cachette, ouais. Hein. Tu t'es bien rattrapé du premier round quand même, hein. Je pense que là, Swan ne va pas te faciliter la tâche non plus. Il est parti se cacher avec papa. Et je pense que tu vas en baver. Hein. On va voir, on attend la story. Néo, ça y est, nous avons la story. Je suis cachée. Attends, c'est où ça? C'est quoi cet endroit? Ah, tu vois où c'est? Hyper bien caché. Ah oui, c'est dans la visite. Enfin, la visite. C'est quoi la visite? Il y a des dinosaures animés. Oui, je vois, je vois. Tu vois où c'est? Ouais, ouais, ouais. Bon, bah allez, je te suis. Allez. Allez, on est parti. Donc là, je suis Néo. Il a une idée apparemment de l'endroit où ils sont cachés. Alors, tu penses qu'ils sont par là? Donc là, le parcours de Dino Park est fermé, donc tu vas essayer d'accéder par la sortie, c'est ça? C'est ça. Bon, on va dire que c'est exceptionnel, hein.
Donc la sortie, c'est ici. C'est là où il y a la boutique. Ouais. Tu veux pas un dinosaure en peluche? Excellent. Nous voici dans Dino Park. Alors pour celles et ceux qui s'en souviennent, on a fait une vidéo ici il y a 2 ans. Swan a découvert les dinosaures animés et il a adoré. Alors, bah là du coup comme tu le fais à l'envers, c'est pas animé. Hein. Ouais. Mais normalement ça bouge. Ah, où est-ce qu'il a bien pu se cacher s'il est là? Là il y a un mammouth. Donc il y a toute la partie préhistoire, c'est super intéressant d'ailleurs. Là-bas, il y a un tigre à dents de sabre. Là, on a l'Australopithèque, c'est Lucie. Et on n'a pas de Swan par contre. Non, ce n'est pas ton frère. Alors, on poursuit. Waouh. Là, on est dans une grotte. Ah, c'est là. C'est par là? Ah oui. Alors, attends. Ça, c'est le dinosaure qui t'a envoyé. S'il te l'a envoyé, c'est qu'il était par là, non? Oui. Parce qu'il te l'a envoyé comme ça, hein? Ouais. Donc il est par ici. Je pense, ouais. Soit l'un, soit l'autre. T'es sûr qu'il est pas là? Là, non, tu penses? Il est là. Est-ce que tu le vois? À mon avis, c'est de l'autre côté, moi. Non? Si, je pense qu'il est là. Sur... Ah, moi, j'aurais dit l'autre côté. Ouais. Ouais. Non? Toujours pas de Swan. Non plus. Waouh, comme ils sont beaux les dinos. Alors là c'est en route. Donc ça veut dire qu'il y a quelqu'un ici. Mais c'est peut-être pas forcément lui. Hein. Tu penses qu'il est là? Non mais il aurait pas bougé. Puis tout à l'heure. T'as vu quelque chose bouger? Ouais. Ça veut dire qu'il est en mouvement? Oui. S'il est en mouvement, c'est de la triche. Hein. Ouais. Parce que le cache-cache, normalement, ne doit pas bouger. Là, on a les bébés. Attends, mais t'arrives au départ, là? Non, il y a un souci, là. T'es au départ? Ah oui, je me suis fait avoir. Alors, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure, on avait 2 chemins. À gauche ou à droite, et moi j'aurais plutôt pris l'autre. Hein. Il me semble que ça venait plutôt de là, la story. Oui. Alors on recommence. Nous repassons donc devant les dinosaures. Allez, c'est reparti. T'as encore un petit peu de temps, hein, parce que lui il a quand même mis 18 minutes. T'es pas encore à 18 minutes, mais quand même. Alors, nous voici de retour. Donc c'est ce que je te disais. Ouais. Moi je pense qu'il était plutôt de ce côté-là. Pas par là. Alors? Aussi, il est où? Attends, le seul endroit où on peut se cacher ici, c'est dans la grotte qu'on vient de passer. Hein. Ouais, je pense. Ouais, à mon avis. Ouais. Mais j'ai rien pu bouger. Là, il est pas là-dedans, non? Vas-y, éclaire. Oh, il est là. C'est pas possible. Attends, Swan, t'es là? Ouais, il est là, on a joué au téléphone. C'est pas vrai? Attends. Dis donc. Coquin. Tu avais peur du dinosaure à côté? Si, il me faisait peur. Ah mais t'es quand même resté caché courageusement. Oui. Bravo petit cœur, super caché. Bravo Swan. Alors, ça a mis combien de temps finalement pour trouver Swan? Swan, je sais pas. Non mais ça a pas mis 18 minutes. Ouais. Donc quand même, la cachette de Néo était plus efficace. Mais celle de Swan était plus courageuse. Non quand même, c'était pas mal. Pour vous remettre de vos émotions, il y a une petite surprise. Cool. Allez c'est parti, on rejoint la partie restauration de Dino Park. Allez c'est parti. Et on va se régaler. Regardez le goûter. C'est pas juste incroyable? Alors c'est un gâteau, je précise, hein, parce que c'est tellement beau, on pense que c'est une sculpture. On va enlever le plastique, vous le verrez encore mieux. C'est un vrai gâteau, c'est ce qu'on appelle du cake design. Bon. Et il a été réalisé par une maman d'abonnés, de 2 petites abonnées trop mimi qui vont être du coup sur la vidéo avec nous et qui vont manger le gâteau. On a Mila ici, tu as quel âge Mila? 3 ans. Et celle qui a activement participé à la préparation de ce gâteau, la voilà. Rappelle-nous ton prénom.
Emma, et tu as quel âge? 8 ans. Wow, 8 ans. Emma, elle a fait le gâteau avec sa maman. Trop forte. Merci encore à la famille d'Emma et Mila. Merci à leur maman. D'ailleurs, si vous voulez retrouver les créations de la maman, on vous met tous les liens en descriptif. Ça s'appelle Passion Sucrée 34. Ah oui, c'est dans le sud, hein. Swan, il est super impatient parce qu'on lui a dit à l'intérieur que c'était du chocolat. Waouh. Oh, mais il est trop beau. Trop, trop beau. Bien sûr, sur le thème des dinosaures, Dinoland. Magnifique. Oh, mais même pour le manger, ça va être dur. C'est sûr. Il est trop magnifique. Waouh. Du coup, on a fini par entamer ce beau gâteau. C'est la pâtissière elle-même qui l'a coupé. Voilà, comme ça. Nous, on n'osait pas, c'était trop joli. Donc, à l'intérieur du gros gâteau, c'est du chocolat, une ganache, hein, c'est ça? Et du pralin. Et du pralin, voilà, précision. Et à l'intérieur du volcan, alors le terme technique? Du RKT. Du RKT, donc mélange de céréales, Rice Krispies, c'est ça? Et de chamallow. C'est ça. Oula. Je me demande où est passé Swan. Là, ça bouge. Voilà. Ah, mais il y a un jeu! Excellent! Attends, il est génial ce petit manège là. Il y en a un autre. Oui, il y en a un autre comme ça, tu jouais avec tout à l'heure, ouais, avec des bateaux. Il est beaucoup plus difficile. Ouais. Bon, bah, il n'y a pas que des dinosaures ici en fait. Il y a encore d'autres choses pour s'amuser. C'est la fin de ce cache-cache. Voilà. Et de ce goûter bien gourmand. On s'est régalé, c'était super bon. Et là, c'est quoi maintenant? C'est le bateau dont tu nous parlais tout à l'heure? Ouais. D'accord. Néo aussi? Ouais. Bah dis donc, qu'est-ce que tu ferais pas pour faire plaisir à ton frère? Les commentaires pour vous, quelle est la meilleure cachette? Dites-nous dans les commentaires. Merci beaucoup. Bonne nuit. Surtout. Abonnez-vous. Voilà, bisous. Bravo. Très bien. Bye bye. Bye bye et plein de bisous. Bisous de dinosaures. Difficile pour Néo cette attraction là.